Bonjour Ahmed. Bonjour. On va déjà parler un peu du groupe. Comment ça va le groupe? Est-ce que tout le monde est sur le pont pour le match de Châteauroux vendredi? Ouais, à part Souleymane Bass qui est toujours en phase de réathlétisation, on a tout le monde de disponible. Souleymane, il reprend progressivement l'entraînement? Il reprend progressivement la course pour l'instant, pas encore l'entraînement. On est embêté avec son orteil, mais on veut prendre le temps parce que c'est toujours des blessures embêtantes et on ne veut pas les traîner sur la longueur de la saison. Tu vas donc avoir l'embarras du choix avec un groupe au complet et renforcé depuis ce week-end par Sambou Sissoko et Daouda Traoré, deux joueurs de milieu de terrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur leurs deux profils et déjà, est-ce que tu es satisfait de ces arrivées? Ouais, très content de l'arrivée des deux joueurs, ces deux joueurs qu'on avait ciblés, avec qui on avait beaucoup échangé, qui sont très contents d'être là. Deux profils totalement différents, avec Sambou qui a un profil un peu plus défensif parce qu'il est capable de mettre de l'agressivité, capable de récupérer des ballons, mettre beaucoup d'intensité dans le cœur du jeu. Et Daouda qui a un profil un peu plus offensif, qui est lui plus un 8 avec beaucoup de projection, beaucoup de jeu vers l'avant, capable de jouer aussi sur un poste d'excentré gauche parce qu'il a été formé à ce poste-là dans sa jeunesse. Mais voilà, on sent que c'est un joueur qui est quand même plus attiré par l'aspect offensif. En termes de quantité, tu estimes là avoir quasiment tous tes besoins pourvus? Écoute, on est 18 joueurs plus 2 gardiens. On voulait avoir un effectif resserré pour pouvoir concerner tout le monde parce que tout le monde travaille très très bien et tout le monde est capable d'apporter sa pierre à l'édifice cette saison. Donc on a pris ce parti d'avoir un effectif resserré. Ça permettra à tout le monde de jouer sa partition quand il en aura l'occasion et je suis content de l'effectif. J'étais content de la qualité déjà et aujourd'hui en apportant deux joueurs en plus, on apporte un peu plus de concurrence, un peu plus de quantité pour pouvoir durer dans ce championnat. Dans l'état d'esprit, tu es satisfait de ton vestiaire? Très satisfait, mais depuis le premier jour. Voilà, on sent que, j'avais dit, c'est un groupe qui vit bien ensemble. C'est un groupe qui prend du plaisir à partager du temps ensemble. C'est important parce que sur le terrain, ils vont avoir besoin de cette cohésion, ils vont avoir besoin de cette solidarité pour pouvoir passer les moments difficiles pendant les matchs, mais aussi durant la saison. Alors sur le terrain, d'ailleurs, ça a bien démarré, hein, deux victoires en deux matchs. Comment garder les pieds sur terre, pas s'enflammer, parce que c'est vraiment que le début? Ouais, non, enfin, on n'est pas du tout dans une optique de s'enflammer. Je pense que tout n'est pas parfait encore. Pour moi, on est encore un peu, les joueurs récupèrent un peu le travail qu'ils ont fait en pré-saison. On a commencé timidement contre Aubagne, mais on le savait que... On a eu un peu de recrutement tardif aussi, donc faut que les joueurs prennent leurs repères et leurs automatismes ensemble sur le terrain. Là, c'était mieux sur le match de Nîmes, c'est vrai. Il y a eu des belles séquences, mais le plus important, ça va être de se remettre en question et d'attaquer ce match contre Châteauroux qui va être totalement différent. Alors l'occasion de réaliser la passe de 3 à domicile face quand même à un adversaire qui connaît bien ce championnat. Que peux-tu nous dire sur Châteauroux? Ouais, Châteauroux, c'est une équipe qui vient de gagner contre Bourg-en-Bresse, qui avait démarré avec deux défaites, mais qui a su se remobiliser. Une équipe qui connaît très bien ce championnat national, avec un entraîneur expérimenté. Ça va être un match totalement différent du match de Nîmes. Et voilà, on l'a bien préparé cette semaine, on a bien travaillé. Maintenant, la vérité, c'est le rectangle vert, vendredi à 18h30. On sera là. Merci beaucoup, à vous. Ahmed.